On est Vivien Radio, suite des lettres de Pauline Tarn à Nathalie Barnet. Vers 1906. Très blonde. Viens me voir, veux-tu? Samedi soir à 8 h 30. Je serai heureuse et triste, infiniment triste et infiniment heureuse de te revoir. Viens chez moi, parmi les Bouddhas tranquilles et résignés. 1905 à peu près, peut-être. Je ne suis pas pareil à toi. J'ai de l'orgueil et de la fierté. Cet orgueil, tu l'as blessé. Cette fierté, tu l'as froissé. Je ne m'exposerai plus à des dégoûts de ce genre. Tes lettres te seront renvoyées sans être lues. Ne m'envoie pas de fleurs, elles seront refusées. Je vois peu de gens. Dans l'horreur où je vis des êtres, j'en verrai moins encore. Cela me procurera peut-être la paix. Je me demande seulement pourquoi tu m'as importuné pour me revoir, si ce n'était pour m'humilier et pour me dégoûter de toi encore davantage. Adieu, puisque je ne te reverrai plus de ma vie. Pauline. Juillet 1906. Ne pourrais-je pas te voir seul un peu? Viens mercredi si tu veux dîner à la japonaise. Sinon, je suis libre toute la soirée jusqu'à 10 h. Je t'attends aussi jeudi, 1 h 30. Tu n'oublieras pas que ces jours-là, je suis et je reste René Vivien. Tu es un être merveilleux, une fleur unique. Je t'admire avec tout ce qui reste en moi de vénération tendre. Paul. Je t'en prie, apporte-moi, quand tu viendras, la revue où il y avait ce portrait de Psapha qui m'a tant plu et à toi aussi. Paul avec un E. 1906 toujours. Merci du narguilé et de la pensée et du souvenir. Nathalie, j'ai été méchante et bête l'autre soir. Pardonne-moi. J'étais en proie à un de ces accès de mélancolie aiguë, de rage et d'ennui qui me terrassent parfois et m'ôtent toute clairvoyance. Mais le mal s'est éloigné. Pour le moment, je suis calme. J'ai honte de ce mauvais soir de rencontre. Oui, je m'en vais le 15 pour Mytilène, mais je pars seul. On ne revit pas le même songe. Et tu mérites quelque chose de mieux qu'une intermittente et faible tendresse coupée d'inexplicable colère. Tu m'as appris à être franche avec toi, c'est pourquoi je suis souvent si sottement méchante. Au revoir, mon pauvre tout petit, Paul. Je t'ai tant aimé. Je suis allé rue Crevaux hier, et tous les souvenirs pleuraient en moi. 1907. Tout petit, je ne peux pas te voir. Non pas à cause de ces ridicules petites histoires au milieu desquelles je me débats fort sottement, mais toute la vie nous sépare. Plus tard, peut-être, qui sait, nous rencontrerons-nous. Par le souvenir, mon inspiration première et mon amour d'autrefois, je t'aimerai toujours. Paul. Voilà, donc ça c'était toujours extrait de la revue René Vivien et ses masques, à l'écart numéro 2 d'avril 1980. Des lettres à l'époque qui étaient évidemment inédites, qui restent, on va dire, épuisées, puisque la revue est épuisée, et donc que je te fais partager sur René Vivien, radio animée par Cham.